Bonjour à tous, c'est Abelina. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle guidance des atypiques. Comme vous le savez, je suis médium canal et moi-même diagnostiquée zèbre, d'où la présence de ces guidances pour nous accompagner et nous allons regarder ce que l'univers souhaite nous transmettre pour appréhender la semaine du 29 août. Allez, on part en canalisation directe. Premier élément qui apparaît, une forme de résignation, le sentiment que les choses n'avancent pas, le besoin de croire en un avenir qui serait meilleur. Je parle vraiment d'un avenir extrêmement proche. On n'est pas à la Saint-Glinglin ou à Pétaouchnok, on est vraiment sur un avenir le plus proche possible, c'est-à-dire sur une visibilité d'un mois, trois mois. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que j'ai l'impression que je suis en train de m'enliser dans des sables mouvants. J'ai cette sensation de je veux avancer, mais nom de Dieu, ça ne bouge pas. Alors, ça ne bouge pas dans la matière, ça ne veut pas dire que ça ne bouge pas en moi, ça ne veut pas dire qu'intérieurement, je n'ai pas des compréhensions qui soient nouvelles et qui me permettent de faire émerger un être nouveau chaque jour, à chaque compréhension. Mais c'est vrai que ça peut taper sur le ciboulot parce qu'on me montre au niveau cérébral le sentiment d'avoir des espèces d'éclairs et d'éclairs là qui sont un petit peu plus amoindris parce que vous pourriez traditionnellement être, je dirais, dans une dynamique beaucoup plus effervescente. Vous pouvez même avoir des doutes quant à vos propres compétences. Comprenez bien que ce qui se passe ici, c'est un ensemble de flux énergétiques qui viennent un peu calmer la masse comme une chape de béton. Le sentiment de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout des choses, de ne pas pouvoir mener intellectuellement, par exemple, un projet qui vous tient à cœur, de ne pas réussir à aller jusqu'au bout du bout en vous disant « mais là, je sens bien qu'il y a un petit truc qui manque, mais il est où ? Alors, il est là, simplement, il est là, mais ce n'est pas le moment. C'est ce qu'on essaie de nous dire, c'est si on vous ralentit, si vous avez le sentiment d'être freiné, c'est un sentiment qui a une part de réalité, mais qui n'est pas totalement réel, puisque ce n'est pas parce que ça ne bouge pas que vous ne bougez pas intérieurement. Deuxième aspect, le fait de se ressentir comme ça, un petit peu freiné intellectuellement, pour nos propres projets, mais également freiné dans l'émulsion intellectuelle, cérébrale, etc., peut causer vraiment des dommages, attention, des dommages dans les relations. Relations interpersonnelles, je vois en toute priorité les couples, pour ceux qui sont en couple, très compliqué de se faire comprendre, avoir le sentiment que l'autre nous prend pour un jambon, ou de dire « non mais tu le fais exprès, c'est pas possible ». Non, l'autre ne le fait pas exprès, il est comme vous, il est soumis à une espèce de pression énergétique qui est écrasante et qui limite la capacité, même moi je le sens au niveau du flux verbal, qui limite la capacité de pouvoir dire précisément ce que l'on veut avec la teneur, la densité, la vivacité. Et là, c'est vraiment deux êtres qui peuvent être face à face, qui ne se comprennent pas, pas parce qu'ils ne veulent pas, pas parce qu'ils veulent se chercher des poux pour mieux se réconcilier, se faire des papouilles. Mais non, c'est pas ça du tout. C'est qu'on se retrouve avec deux êtres qui sont sous pression, qui n'arrivent pas à aller et atteindre ce qu'ils souhaitent exprimer, que ce soit au niveau verbal, que ce soit au niveau intellectuel ou que ce soit dans la mise en la matière. Donc forcément au niveau des émotions, flotte, vole la galère, on est un peu dans des trucs entre deux. Ceci étant, on a quand même un aspect qui est plutôt positif, c'est que vous n'allez donc pas accepter de subir des choses que vous pourriez subir en disant « allez, amen, parce que j'ai l'habitude de céder sur ça ». Alors, vous allez me dire ben, « comment ça ?» Oui, ça veut dire que là, vous allez pouvoir reprendre une forme de pouvoir et de dire, alors en tentant de limiter l'agressivité, si j'ai vraiment une recommandation dans tout ce que je viens de ressentir, la communication non-verbale à privilégier, mais également la communication non-agressive. Là, la semaine du 29 août, on nous demande de faire gaffe à notre communication, de soupeser, de la pondération, parce que ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à dire les choses, c'est pas parce qu'on n'arrive pas à formuler parfaitement comme le truc qu'on a dans la tête, mais qu'on n'arrive pas à trouver les mots et l'ambiance pour dire les choses, qu'on doit forcément passer par le côté incisif, par la méchanceté, par le côté attaquant. Alors, je ne dis pas que tout le monde va se foutre sur la tronche sur cette semaine, mais ça pourrait arriver à des choses extrêmement violente, on va dire, en montée verbale, en joute verbale, parce que oui, mais tu le fais exprès, oui, mais t'as pas compris, non, mais je viens de te dire, c'était super clair, oui, non, mais c'était pas clair ce que t'as dit, et là, ça peut monter super fort, donc doucement, doucement, les amis, parce que là, on sent bien qu'on va être titillé, mais c'est comme si l'un et l'autre, je parle des couples, mais je vais sortir évidemment de la partie couple également, dans tous les relationnels, c'est comme si on avait chacun un petit diablotin qui nous piquait au cul, et de dire, ah, tu vois, il a rien compris, ah, tu vois, machin, et on remet un petit coup de piqué, vas-y que je te repique un petit coup, et en fait, ce qu'on nous dit, c'est que ça doit nous mener à comprendre que nous n'arrivons pas à nous exprimer parfaitement avec,
je dirais, discernement, même nous dans la manière de formuler les choses. Alors, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux remettre certaines discussions la semaine prochaine ? Ben, nous verrons pour la prochaine guidance. Mais en tout cas, là, on est sur une semaine, moi j'ai envie de nous dire, bon, et si on faisait un peu canard, si on essayait de se calmer et plutôt que d'utiliser notre pensée, notre intellect, et si on mettait les choses à plat par écrit, ça ferait à mon avis beaucoup moins de dégâts. Pour ceux qui ne sont pas en couple, c'est la même problématique dans le business, dans le relationnel, sur les réseaux, dans les échanges. Oui, elle n'a pas compris ce que j'ai écrit, elle est en train de critiquer mon commentaire, et c'est la même chose. C'est-à-dire que là, je pense qu'on risque d'avoir une belle semaine assez mouvementée sur les réseaux, puisque c'est ce qui est visible au plus grand nombre, mais aussi dans notre vie quotidienne, assez visible de sentir qu'on se prend le chou, alors qu'en fait, on n'est pas si à côté de la plaque que cela, mais on a le sentiment qu'il y a tellement de filtres et de filtres et de blocages que, nom de Dieu, ça nous coûte une énergie folle pour réussir à dire ce que l'on pense. Alors, forcément, dans notre catégorie des atypiques, c'est hyper frustrant de se dire « mais c'est pas possible, l'autre le fait exprès, j'y vais avec le cœur, j'y vais du fond de mon âme, je suis la plus sincère possible, le plus sincère possible dans ce que je veux dire. » Non, mais c'est que l'autre, il est exactement dans la même pression énergétique. Là, c'est plus du tout une question d'être atypique ou pas, c'est que nous, on peut le prendre à cœur beaucoup plus que quelqu'un qui n'a pas développé ces sens-là intuitifs, sensitifs et émotionnels et qui peut dire « mais ça va, t'es gonflante, qu'est-ce que t'as à chialer pour rien ?»« Mais non, c'est pas du tout comme ça que je l'ai dit, ou là là, tu montes sur tes gros chevaux. » Doucement, je pense que l'écrit sera sans doute plus facile s'il est vraiment nécessaire de passer par de l'écrit. Moi, à titre perso, maintenant que je viens d'entendre ce que j'ai entendu dans ma caboche, je pense que les choses, je vais essayer de les tempérer au maximum. Éviter de communiquer quand je sais que je suis sur des sujets importants qui peuvent être litigieux déjà à la base. Ce n'est pas du tout le moment de mettre nos énergies dans cela parce qu'il risque d'y avoir des sacrés déconvenues. Qu'elles seront récupérables, je ne le vois pas. Là, ce n'est pas quelque chose qu'on me montre. Simplement, c'est comme un feu qui s'embrase. Et le problème, c'est que bon, moi, je suis OK si après l'embrasement, on s'embrasse. On peut s'embraser, puis s'embrasser, c'est plutôt formidable. Mais là, si c'est sur du business rationnel, sur des choses où vous pouvez mettre en péril une activité, de la clientèle, des choses comme ça, doucement. Je vous recommanderais de faire preuve de patience. Si vous sentez que ça monte au niveau du bidon, hein, quand on est dans des relations interpersonnelles comme ça qui nous agacent, qui nous titillent, eh bien, c'est l'occasion de fermer sa bouche, de respirer pendant 21 secondes, bien inspirer, bien expirer, de tourner cette fois sa langue dans sa bouche et de se dire « je ne veux pas rentrer dans le conflit ». Je vais essayer de faire simple et j'y reviendrai quand ce sera le meilleur des moments. Moi, je pense que là, c'est avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Je vais résumer un petit peu notre guidance pour cette semaine sur cet aspect-là. Deuxième élément qui me vient, c'est que j'ai des douleurs pour certaines personnes qui peuvent venir sur des aspects, je dirais, alors soit articulaires, soit nerveux. Et nerveux, j'ai comme des coups d'électrique. Alors, je sais qu'au niveau articulaire, quand on a un problème de cartilage, on peut avoir ce sentiment électrique ou que ça grince. La partie électrique est beaucoup plus, pour moi, nerveuse. Hein, nerveuse au niveau des bras, des jambes, des membres, ça peut nous créer des formes de crampes et d'énergie dans le corps. Et là, on comprend bien ce qu'on nous a dit juste avant, c'est que en fait, on est dans une espèce de cocotte minute qui s'agace, qui s'énerve parce qu'on n'arrive pas à exprimer ce que l'on voudrait exactement comme on le voudrait. Et donc, là où ça laisse la seule zone pour pouvoir s'exprimer, ben, c'est la zone, on va dire, neuronale. Hein, donc, les neurones, c'est parti. Et ben, c'est là où ça s'agite, c'est là où ça nous donne des crampes, c'est là où on peut avoir des points de côté d'un coup, c'est là où aussi on peut avoir le sentiment qu'on nous met des coups ou que le corps, il est complètement en dissonance. Alors, une semaine qui, évidemment, ne sera pas du lundi au dimanche, oh mon Dieu, pourvu que non, mais c'est la tendance sur cette semaine. C'est à nous de nous dire, ok, on veut aller sur tel sujet, est-ce que c'est vraiment le moment? J'ai entendu mon audio, est-ce que vraiment j'ai envie de prendre le risque? Si j'y vais, j'y vais, mais au moins je suis en pleine conscience. Et puis si je me dis, non, là, ça peut tourner vite fait un autre boudin, on va peut-être passer à autre chose, ben je vais dire, ok, on en parle lundi, tu sais quoi, là, cette semaine, j'ai plein de trucs à faire, c'est pas le moment. Émotionnellement, c'est pareil. En dents de scie, je vous ai dit, parce que le sentiment de ne pas être compris, pas être entendu, alors pour les atypiques, c'est beaucoup plus difficile que pour ceux qui ne sont pas dans ces sentiments comme ça à fleur de peau, ben parce que de se dire mais il le fait exprès ou pas, en fait il me cache quelque chose. Non, ne tournez pas marron dans votre tête, l'autre est exactement sous la même chape que vous, donc allez, on prend notre mal en patience. Est-ce qu'il y a des choses positives? Oui, parce qu'au final, je vous l'ai dit, il y a des choses que vous n'accepterez pas parce que vous serez tellement
en réceptivité et en volonté que ça se passe bien les échanges, bah, que du coup, quand vous recevez une patate chaude qui pue, bah, vous dites ta patate, tu vas te la garder, parce que moi, c'est hors de question, je ne l'accepte pas, dans mon champ énergétique, c'est non. Donc, vous pourriez penser qu'il s'agit d'opposition, mais pas du tout. En fait, il s'agit de se faire plaisir en disant c'est non. Et quel plaisir de pouvoir dire oui, non ou merde. Sur ces belles paroles, je vous dis à la semaine prochaine pour notre tirage des atypiques pour la semaine du 5. Prenez soin de vous, je vous souhaite une très belle semaine. Bye bye.